Donc, les finalistes et nous, la Fondation Orange, sommes heureux de vous offrir les 5 livres. Je sais que les finalistes m'ont dit ce matin que je suis reconnaissant de l'accueil que vous leur avez réservé ce matin. Nous sommes ici à l'Académie du Royaume du Maroc et nous allons délibérer pour trouver le vainqueur ou la lauréate de ce prix. Et donc, je voudrais aussi préciser que je suis contente d'être venue à l'Académie parce que j'ai reçu le trophée de l'Académie et cela m'a vraiment énormément confortée. Donc, je remercie encore l'Académie de nous recevoir. Tous les membres du jury l'ont dit, la qualité des livres est vraiment très, très, très bonne. Et ça a été un plaisir pour moi de lire ces livres-là qui sont d'une très grande qualité. Et ça fait plaisir de voir qu'on n'a rien à envier sur ce continent. On a tout le talent qu'on veut et maintenant c'est à nous de montrer ce talent et puis de le faire prospérer et puis de le transmettre et puis de faire que on se lise en Afrique. جينا لهوني في الكادر نتاع الجائزه للكتاب الافريقي للفونداسيون اورانج وكتبنا يعني قراوها 100 القراء الليكتور يعني هذا ديجا احنا فزنا بحاجه يعني عزيمه قويه عند المغرب لكي يدعم الثقافه الادب الفرنكوفوني في افريقيا كلها واشعاع القاره الافريقيه في العالم. Le prix Orange de cette année, je n'étais même pas au courant que mon éditeur avait soumis mon livre. Je l'ai appris bien plus tard quand j'ai été sélectionné parmi les finalistes. J'étais assez surpris, je n'étais même pas au courant je n'étais pas au courant de l'existence de ce prix. Et voilà, être là, c'est un peu comme une sorte de fièvre, un rêve en quelque sorte. Le livre est une exploration de percussion, c'est le titre. C'est une célébration de la marginalité en quelque sorte, des personnages qui ont choisi de vivre contrairement à ce qu'on attendait d'eux, des personnages qui ont choisi même d'être carrément criminels, même parfois aussi. En tout cas, il est plus question de choisir sa vie dans ce livre. Ce n'est pas moi qui m'y suis inscrite, c'est la maison d'édition qui inscrit les livres et les auteurs en même temps. Donc j'ai été sélectionnée parmi 39 auteurs pour être finaliste, d'où ma présence au Maroc aujourd'hui. Les 5 finalistes, nous sommes tous des vainqueurs parce qu'on a été déjà sélectionnés parmi 39 participants qui ont été sélectionnés. Il y a déjà eu une présélection avant sur une cinquantaine de livres. Donc être sélectionné parmi tout ce monde-là, c'est déjà une victoire en soi. Le prix Orange a permis à nos livres, en tous les cas, d'être lus par plusieurs comités, donc d'être discutés, débattus, critiqués, et donc ça a permis à nos romans d'être visibles. Je pense que c'est une chose très importante et qui permet aussi à nos ouvrages de traverser les frontières et d'avoir une certaine forme de visibilité sur le plan de l'Afrique et aussi sur le plan international. Ce sont des rencontres extrêmement riches. Je pense que c'est la chose la plus, en tous les cas, ce qu'on récolte de plus important. C'est-à-dire qu'on a l'occasion de découvrir, de rencontrer des auteurs et aussi de rencontrer d'autres personnes et d'échanger, donc d'avoir des échanges qui sont très riches sur le plan humain et aussi sur le plan des échanges littéraires. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.